on a eu un abonnement. Je sais pas. Ouais, il a gagné. Contre qui? Attends. Ah, il connaît pas donc. Du coup, on va sur Pikachu contre Samus sans armure. Pikachu, il a une recovery de malade. C'est un personnage que quand tu sais le jouer, je trouve que c'est hyper beau. Et Samus sans armure. C'est Saki. C'est pas ça, c'est Saki. Avec un V? My bad. Je ne respecte personne ici. Donc Samus en armure contre Pikachu. En vrai, c'est ça que je disais, c'est vraiment la recovery de Pikachu, elle est insane. Genre, je sais pas pourquoi, mais c'est l'un des faits avec Wario qui peut faire le tour du terrain. En tout cas, on peut voir que le lead est pris par Samus en armure, qui la base de neutral est plutôt forte. Genre, quatre fois, des moments random. Bah, non, des moments random, mais utiliser, c'est juste tu connais pas. Bah oui. Vas-y, un petit pronostic. Non, pas de pronostic. Ouais, Sagui 2-1. Ok. C'est Et si c'est un 3, 2, hein. Ouais. C'est totalement bien. Peut-être bien de prendre le petit côté piquette. Ah, ça y est, ok. En vrai, c'est intéressant comme matchup. Ça met son armure, ça met beaucoup les grappes. Ça joue beaucoup sur la base des grappes et de son saut diabolique, bah voilà. Qui est puni directement très par. Très bon read, mais. Ouais. Suffit pas. Oh là là. Puni, deuxième punition. Pikachu. Deuxième punition. Ouais, j'avais fait ça. Non, mais heureusement. Ah, c'est. Alors, par contre, quand on est sur le truc, c'est un truc très. Ouais, ouais. Attends, mais tu l'as. Tu peux aussi tomber sur son autre. Non. Ouais. Là, on peut voir que du coup, ça met son armor en lead directement. 2-1, la recovery de Pikachu qui est insane. C'est toi qui as caster principal. Oui, c'est moi le caster principal, c'est normal. Je joue à Smash, je vis pour Smash depuis un mois, j'ai Smash. Donc, on peut voir que ça met son armor. Hop, un combat. Ok. Ok. Ah, j'attends un moment décisif. Hein. En fait, je sais pas, parce que dans les deux, je trouve que pour le neutral, Pikachu est meilleur. Pikachu, il a tout ce qu'il peut. Ah, tu vas jouer? Ah, c'est lui. Ouais, parce qu'il parle pas. J'ai eu des commentateurs vachement nuls. Bientôt, tout sera le meilleur. Mais alors non, parce qu'il y en a un qui lui a quand même dit Jean Pascal, ce personnage, il est bon. Il est intéressant. Ok, du coup. Ils partent sur PS2. C'est qui? Oui, je sais bien, mais j'étais pas sûr. Ouais. C'est un BO5 je crois ou BO5 pour moi c'est un BO5 du coup, comme l'a dit. Ouais. Eh, regarde, il est intéressant là. Pikachu est un personnage très intéressant. Ah ouais, ouais. T'as vu, c'est lui, Mais bon, du coup, sur cette base, la game commence. On peut voir déjà. C'est respectivement. Sarkozy, mais oh là là, la stock qui est perdue. Vraiment, ouais. Sarkozy, il essaye de trouver les petits nerfs qui peut enchaîner sur Peter. Il avait pas à faire, mais là, quand c'est à bon pourcent, il peut enchaîner sur un dendé. Ouais. Ah, c'est sûr que là. Et tu même pas de DI, donc en fait, tu prends un nerf à qui pourtant t'es mort. Tu peux pas? Je crois pas que ça se DI. Non, dommage. Mais on peut voir que déjà, genre, dans un match. Quand tu prends une stock littéralement 15 secondes après, le coup au moral est dur. Ouais, vraiment. Sur le coup, c'est souvent le moral qui joue et pas comment les joueurs jouent. Parce que normalement, si t'es à un bon stade, t'es censé. Et le jablock?
Oh là non, là. Le Diablo qui revient. Suivi du Smash. Suivi du Smash. En double Diablo, c'est vraiment des persos comme ça. Pikachu, Pikachu, c'est vraiment des persos qui jouent bien genre de Diablo. Ouais. Qui peuvent. Alors là, c'était à 4%, mais c'est vrai que à bas pourcent, quoi, tu peux mettre des combos en mode up tilt suivi dans B ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, des. Et c'est vrai que les Diablo, c'est hyper sous-estimé. Je vois pas beaucoup de gens en faire. Et c'est vrai que quand t'as l'occasion d'en faire un, c'est épargne. Up B qui va pas toucher. Ouais. Et le Diablo, ah dommage. Trop point de. Oh là là, c'est la mieux sur Grammar qui prend le lead. C'est 2-1, Lucio Sagui. Dans le B là. Qui... Ouais. Le dommé, il est destructeur. Ah, le dans le B suivi dans Up B, franchement. Ouais. Sur la base. Ah là, vraiment, c'est serré. Vraiment, on voit Lucio qui essaye de prendre cette stock avec le dash attack, le petit anti qui pourrait connecter avec un truc. Ouais. Mais bon, la dash attack, c'est pas en tout le monde. Ok. Bon, pour l'instant, en fait, je connais pas les deux personnages, comment ils jouent. Bah, en fait, parce que avec toi, quand je te commentais, tu pouvais dire, ouais, il y a un Wario qui le déteste, tu vois. Alors que là, c'est bête, mais. Bah, en soi, c'est que Pikachu, c'est très fort pour combo. Ouais, ah ouais, Pikachu. Pikachu, c'est pour ça que c'est. Mais c'est pas le perso le plus. Non, c'est. À un moment, ça l'a été, mais c'est avec. Ouais, dans les débuts. Tout. Moi, dans la série, je crois que je l'ai mis genre 6ème, un truc comme ça. C'est que le perso est vraiment fort, voilà. Il passe davantage comme ça, voilà. En fait, il attend l'air dodge. Et il punit avec un truc genre un air ou un repair, et son repair est vraiment destructeur. Ouais. Alors par contre, il y a Sagui qui peut. Oh la DI qui est très belle, la DI. Et il y a Sagui aussi, son personnage en fait, il va attendre l'erreur, il va mettre des traces comme ça, pour bon. Dormir avec son mid sur FB. Je sais pas si t'as vu, ça fait 3 fois d'affilée que Sagui a fait le ledge où il revient, il le met dans le feu. Je sais pas comment ça s'appelle. Genre, en gros, sur Down B, il ouais. C'est ouais. Pour Down B sur le left trap, il s'est là tué. Ouais. Ça fait 3 fois d'affilée. Du coup, on est à. 2-0. Ouais. Pour Seg. Et donc, dernière game. Enfin, un balle de match pour Seg. J'ai un écran mais je sais pas ce que je vais en faire et sinon il y a ma Switch quoi. Je teste juste un truc, j'attends. Ok, du coup on est en combat directement, toujours sur PS2. Ça passe pas. Ça commence à la spot dodge qui a pu éviter, qui permet d'éviter ce grab. Là on voit, ouais, ils essayent un peu. En fait, Lucien il essaye de mettre des petits pourcents. Ouais. Et c'est en fait c'est vraiment sur le frappé, c'est comme Mario, des trucs qui permettent d'enchaîner souvent. Mais est-ce que Pikachu c'est un perso à distance, on va dire? Parce que pour moi je ne vois pas jouer à distance, mais est-ce qu'il pourrait jouer en fait c'est comme Mario, enfin moi je joue Mario comme ça en tout cas, ouais. C'est que tu mets ton projectile et tu vas vers l'adversaire, ouais. Comme ça, c'est-à-dire que en fait tu devras contrer ton projectile, mais pourra pas, enfin ouais. C'est très dur de contrer les deux. C'est pour empêcher du coup de te faire punir. En gros, tu t'avances, ouais. Tu me trappes et en fait t'avances un peu avec le trappe. Ok. Et donc c'est. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est difficile de. Ouais, non, voilà, tu vois. Okay. Donc, ouais. Et là, il a pu enchaîner avec un air. Bon, ça, c'est assez even, ils arrivent pas trop à se prendre la stock. Très défensif les deux. Hein. Après, Lucien. Et le backer. Ouais. J'ai tué. Pour moi, du coup, ça sera. On espère que Lucio va reprendre la main. Parce que. C'est voilà, 3-0 série. Sinon, mais quand même, ça. Serait pas bon. Ouais. Tu pourrais perdre. Pas beaucoup de choses, mais. T'as parlé de l'argent? Non. Tu parles de mon santé, si tu veux. Non, parce que sinon, on va perdre. Oh là là, Lucio avec son. Mâche côté. Et le web, en fait, c'est vraiment Pikachu, c'est bien pour être garde, il a une bonne recovery, donc ouais. Ce qui fait qu'il peut en fait venir mettre le fer. Ouais. Et après, il refaut, il remet le fer, et c'est comme ça qu'il a tué sa gueule en fait. Mais en fait, moi, ce que j'apprécie sur les gameplay de Pikachu, c'est qu'il peut faire le tour du terrain. Et c'est pas très utilisé, mais tu vois. Après, il y a des persos qui font ça. T'as par exemple, tu vois, t'avais vu. Ouais, même. Ouais. Après, ça dépend du stage aussi, mais je sais pas si t'avais vu
au Genesis 8. Ouais, j'ai vu. Au top 8, t'avais genre. C'était Gluttonic Offline, je crois. Et genre. Bah, tu sais, il like, était en vétéran, il était en train d'essayer de revenir, sauf que. Gluttonic pourrait se retourner, donc il est en dessous du terrain. Ouais. Il a fait side B. Après, il a sauté en faisant son forwarder, ce qu'il a fait donc le moins vite en fait. Il a fait revenir au terrain. Mais c'est ça. Et c'est vraiment sous-estimé. Après, ça dépend du stage aussi où tu es. Mais je pense que ça dépend aussi du match-up. Parce que vraiment, ce qui est intéressant avec Pikachu, c'est quand tu es à peu près au milieu du terrain, tu peux mettre du coup ton. Je sais plus c'est quoi l'orage. Le Down B. Ouais, c'est le Down B. Et ça peut. Ça va toucher, c'est-à-dire qu'il est sécurisé. Mais bon, après, il est en ledge, et ça, c'est dommage. Oh, j'ai cru au Down B là. En fait, ce qui est bien. Alors Pikachu, son Down B, il peut le mettre, par exemple, sur. Alors, si tu fais un up throw, ouais. Sans DI, tu fais up throw, tu sautes et tu up B. Enfin, tu Down B. Ça touche et tu peux aussi faire. En fait, si la personne DI, bah. Ça dépend quel DI elle fera, mais c'est vrai que c'est un truc qui est. Ouais, ok, la stock qui est prise de Luciole. Luciole. Ça peut remonter. Ouais. Ça peut remonter. Là, si Luciole joue bien, c'est. Ouais. Potentiellement, les pronostics. Pour moi, les pronostics sont bons. Et le double backer. Ça serait dommage qu'on parte sur un 3-0. Moi, j'ai envie de voir la gameplay. Pour les 20 centimes. Ouais. Non, on voit que les deux joueurs sont assez patients, mais ils essaient quand même de jouer de leur avantage un peu. Bah, par exemple, Luciole qui est fait de jouer un peu son neutral B, ses dash attack et tout, ils sont très difficiles à punir. Et pareil, Saki qui essaye de jouer de son. En gros, tu vois son grab. Il y a des persos où leur grab peut ouais, en l'air. Et bah, ça, en fait, la plupart des persos, quand tu grabes en l'air. Oh, et le jablock qui passe. Je vais essayer un 1-2. Ouais, 2-1 pour Saki. Et donc, tu sais, t'as des persos genre. Qui, tu vois, la plupart des persos, quand tu fais un grab. Et bah en fait ça va faire une air dodge, mais sans direction. Et il y a des persos quand ils grabent, ça va utiliser leur grab mais en l'air, mais sans s'accrocher. Et on voit que Saki il a utilisé ça à bon escient, c'est-à-dire qu'il utilisait ça pour essayer de s'accrocher sur son adversaire. Et en fait, c'est... comment dire... Genre t'avances, tu fais ton grab mais en l'air, et plus tu shield, et du coup après tu vas faire sur le petit. Le neutral, on est en game bah, toujours sur PS2. Le neutral est positif sur PS2. Sur PS2. Alors qu'est-ce que t'en penses du match-up Les deux sont chiants à jouer contre Bowser. Du coup je déteste les deux. En fait tout perso est chiant à jouer contre Bowser. Sauf Lucina. Ouais Lucina. Après ça se passe mieux que toi tu vois. Parce qu'on a eu celui d'avant qui disait que le match-up était intéressant. Du coup, celui qui ne parlait pas. Et lui qui m'explique des choses, qui est investi. C'est incroyable. Après, je connais plus le match-up Pikachu que Pikachu. Donc, je dis peut-être des conneries, mais. Ouais. Genre, après, moi. En gros, je dis des trucs, je peux pas. Ah ouais, bah vas-y. Pour le match-up Pikachu. Je sais pas si on est là. Ouais. Ok, Perfect qui n'a pris le lead. Oh, ça doit. Ok. Est-ce que toi tu penses quoi de Pikachu? Du coup, là, c'est un BO5 là. Bah, va te faire foutre. Ça fait ça. Un BO5. Ouais, ça fait ça. Matchup Pikachu. Pikachu. Ouais, jeu de Pikachu. Et on parle, mais là, il a quand même mis un dandé pépé sur moi, c'est trop cool. Ouais, dans les games d'avant, il y en avait une. Pikachu, je pense, beaucoup c'est top tier. Pikachu, c'est top tier. Oui, ouais. C'est sûr, top tier. Non, c'est pas top tier. Ouais, mais. C'est top 6, je crois. Moi, je l'ai mis dans la vie, je l'ai mis top 6. Bah oui, Pikachu, c'est top tier. Après, Samus, c'est, je pense, moins fort, mais ça. Bien. Samus, quand tu ne sais pas jouer contre un Samus, c'est. Oh là là! Oh, la rime! La rime du son! Ça, c'était beau! C'était beau! Du coup, le lit, il n'y a plus personne. Luciole qui peut rattraper. Hein. Vraiment, il a rattrapé la première. Il a essayé de reverse 3-0. Et ça mais attends, oui, du coup, ça va gâcher tes pronostics. Il perdra sur tes pronostics. J'ai quand même envie que Luciole gagne. Ça aurait été drôle. C'est capable de.
Ouais, c'est sûr. Ouais. Ils sont d'autres projectiles, sont appelés. Bah, en fait, comme je disais, sont F-Smash. C'est Smash. Et, oh là là, en l'air. Le père, ouais. Ouais. C'est vraiment hyper longtemps pour être guard. Et Smash. Ça vraiment, ça dure longtemps. Donc, déjà, je crois que tu peux drag down avec. Et puis, pareil pour être guard, c'est très très bien. Ah oui, putain, je peux corriger. En décasseur des buts. Putain, il a mis sec. Ouais. Bon, du coup, on est perdu dans ce, dans ce combat, parce qu'on ne regardait pas. Sagi qui peut faire attention. Non, en vrai, tes pronostics vont être faux, c'est sûr. Tes pronostics seront faux, je vais perdre 20 centimes. T'es essayé avec qui t'as parié? RMC Sport. Je vais le donner à... Allez, mais faire je vais... Ouais, je... Ok, je donne 20 centimes au gagnant. Petite avantage, c'est pas gagné. Mais du coup, il y a un cash prize. Ouais, il y a un cash prize, c'est 20 centimes. C'est... Ouais. Mais. Bah, en vrai, là c'est bon. Ok, non. Samuel, c'est né bon, les gars, je pense. Non, là c'est la fin. On est à la fin. Je suis pas sûr, mais. Bah, Samus, non. En vrai, il joue plutôt sur son jeu de. De laser. De laser et sur son grab qui peut en l'air en fait. Son grab ça lui sert plus voilà, à faire des trucs comme ça. Où il peut enchaîner sur un air dans le plus. Mais son grab il l'utilise pas non plus souvent pour. À part son backstab, mais il l'utilise pas pour combo ou autre chose, tu vois. C'est fini. C'est fini. Oh, la vieille est folle. Là c'est la fin. Là je sens le cœur qui bat. C'est sûr, il y a des pulsations. Là ça va jouer. C'est fini. Une fiole. Non, encore une dé. Une fiole. J'ai pas envie de commenter, j'ai juste envie de voir. Ouais. Non mais. Je vais chercher un mec. Luciole, ça va être un 2-2. Ça va être game 5. Ah ouais? C'était bête. Ça va rejouer sur PS2, je pense. C'est sûr que ça va rejouer sur PS2. Sagi qui tente, salut Sina. Putain, le counter. Ah ouais, on a changé. Bah, il a vu en fait. Il avait fait game 1 ou 2. Le Sion, il a compris en fait que. Il a compris Sagi. Ouais. Sagi a essayé de prendre un counter pick et on voit qu'il marche très bien pour l'instant. Ouais. Il joue avec son combo de Upper, Upper qui est très fort, le Sina. En fait, le Sina, il a pas de lag. Alors. Le père est dans le même style, il a des vagues. Ouais, mais. Oh le petit tour. Attends, c'était pas un fou. Je sais pas si c'était un fou, mais. Là, ça va être un match, je pense. Le Pikachu. Là, ouais, en fait, c'est. En fait, c'est assez important sur les noms parce que Pikachu, ça, si. En fait, Pikachu, c'est un perso un peu dans le bas. En fait, ça dépend ton tour de Pikachu. Mais si tu le joues en Wolf Down, ça va être avantageux pour toi, Pikachu. Ça va être ça Pikachu, Pina. En fait, Pikachu, moi je dois qu'on sera en champion de Sina, mais ouais. Le Sina, et ça, Pikachu a beaucoup de mal. Là, on voit qu'il commence à savoir un peu plus pour la Sina, qui connaît un peu le match-up. Mais là, pour l'instant, honnêtement, je trouve que les deux peuvent gagner, même si Sagi a une sorte d'avance. Ah, moi là, je peux plus sur la lutte, hein, parce que. Bah, pour ça, tu vois, Pikachu a plus de Sagi, là, il. C'est vrai qu'il a eu son mental set. Hein. Il joue sur les désavantages de ça. Il a eu son mental set et je pense que maintenant il est habitué au. De quelqu'un à faire des Pikachu positifs ou un. Mais c'est vrai que l'avantage de Sina, c'est qu'il a il peut vraiment bien naviguer.
et des persos qui... Après Pikachu, c'est vrai que c'est assez compliqué de garde, mais il y a moyen de faire quelque chose. Genre, tu mets backer ou père en terrain et ça ouais. conclut très tôt. Quand c'est hors de terrain, son père, c'est très fort. Il a dash attack, il a fait 40%. On peut voir quand même que Staggy a pris le lead. Ouais, il adore le lead, mais sur... Bah, il a pris le lead. Petit avantage. On regarde le même combat. Mais petit avantage côté Staggy. Ouais. Il y a un petit, mais Pikachu, ça peut aller très vite. C'est vrai. Bon après, combo. Moi, je sais pas vraiment, je connais plus. Pikachu, c'est un bon combo. Un bon combo. Oui. Un bon combo, oui. Ouais. En fait, son jeu de repère, après c'est une personne qui t'affronte, plus c'est un perso assez léger et qui est une boxe moyenne, ça va être... C'était dommage, il y avait une punie, il y avait une punition qui était... Le upfield, ça a été utilisé, mais c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, upfield into d'enlever, ça peut passer. Mais ça te fait cher, là ça te fait cher. Là ça te fait passion. Ouais, c'est défensif. Ça veut juste pas prendre de risque. L'enjeu il est. Ça se charge tellement. Ouais, les passes où il ouais. Oh, ah, c'est fini. Oh, ok, la DI ouais. a bien joué. Oh non, dommage. Ça guiluche okay, qui le reprend backer, le lead. Le backer qui a été tenté. Là, c'est clair. Alors, moi, les deux joueurs sont montés. Ouais. En fait, on dirait moi je grave direct voilà. Et une balle de match pour sa guille. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait la première personne qui lâche son shield a perdu. Sauf que si tu grattes t'as gagné mais en fait c'est hyper compliqué comme situation. En fait c'est comme un triangle d'Espanish. C'est un triangle où t'as le grappe, t'as le bouclier. Ouais, genre c'est un parfait ciseau. Regardez le match. Et merci. Donc, pas de match pour Sagi, même si pour l'instant Luciol sur Luciol qui a failli. Là, il ne prend pas. Oh là là, Luciol. Ah, la tête. Ah, il faut finir avec un fer. Ok. Non, c'est vrai. J'ai cru qu'il n'avait pas monté. Sagi, c'est pas de match. Vraiment, on est au dernier 2-2. Je donne. Tes pronostics ? Je donne. Ok, si Luciol. Moi, mes pronostics, c'est Luciol. Ouais, moi aussi, je suis pour Luciol. Pourquoi ? Parce que. Ah non, mais moi, je suis pour Luciol parce qu'en fait, il a rattrapé ses deux games d'avance. Ses deux games de retard. Oh, et voilà, okay. Les combos. Voilà. Ouais, les combos, c'est combo. Combo. One more combo. C'est vraiment un très bon outil Pikachu. Ouais. Et pareil, sur Backer Dragon, effectivement, ça, c'est mieux pour Edgeguard. On l'a vu faire, même si c'est pas passé. Ok. Bon, enfin, là, c'est vraiment pas. Peut-être mieux du côté de Pikachu parce que. Il sait bien, le soir c'est vrai qu'il connaît le match de Cina et il sait comment ça guérit. Ouais, mais je pense que c'est sûr que c'est pour ça qu'il a pris. Qu'il ouais. était en désavantage avec sa mission d'armée. Les deux essayent de jouer un peu sur leur hitbox, c'est-à-dire les deux essayent un peu de mettre la pression sur le Chine, là c'est très défensif. Ok. Le side B qui va passer. Ouais, on peut voir que comme tu m'avais dit, du coup, Pikachu quand il lance son spécial et après que tu vas attaquer. Il a peur. Ça voit que Sagi a peur de ça. Ok. Oh, le Sagi. Bientôt la fin. Forward air qui n'a pas touché de sol. Ok. Oh, ne le dire. Là, un backer. Là, c'est un backer. Un backer. 100% un backer. En fait, le problème de Pikachu, c'est que là, il a pas de kill. Ouais, et Sagi qui prend le lead et c'est la fin. Non, c'est pas grave. Ah, j'en ai dit. Il faudra chercher un backer. Oh, moi, j'aurais peut-être tenté de smash. F3. Ah, pas prof de rien. Oh, le backer. Le backer touché, c'est bon. Les deux prennent le lead. Putain, c'est. Ouh, la combat. Oh, ça tue. Et c'est fini. C'est Luciol qui gagne. Luciol. Alors. J'ai parié sur toi. Ouais. Du coup, je te donne 20 centimes. Donc, Luciol qui a fait un feeder 3-0. Ouais, mais moi.